Bonjour bien-aimés, bienvenue à ce temps, une heure dans sa présence. Nous voulons remercier le Seigneur déjà pour ce rendez-vous. Nous voulons remercier le Seigneur pour toute personne connectée. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce jour nouveau. Nous voulons remercier le Seigneur pour tellement de sujets. Nous voulons lui dire que nous l'aimons pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Pour ce que tu es et pour ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons élever la voix, pas seulement un chant, mais entends les battements de nos cœurs, entends la déclaration d'amour, entends. Entends nos chants, mais qui transportent les vibrations, les battements de nos cœurs. Et ils sont pour toi, Père. Père, merci. Ce matin, nous allons encore lui dire que nous l'aimons. C'est tellement important de déclarer notre amour à notre Dieu. Oh,
je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Oui, Père, je t'aime. Oh, tout ce que tu es, Père, je t'aime. Disons-lui pour tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Toutes mes forces, disons-lui, Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu es, Père, je t'aime pour tout ce que tu fais, tu as tellement fait, ah, tu as tellement fait. Et de toutes mes forces, disons-lui ensemble, Père, je t'aime pour tout ce que tu es, Père, je t'aime. Laisse-moi te dire, pour tout ce que tu fais, tu as tellement fait, Père, je t'aime. Oh, Père, à Chanelé. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Oui, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, oh, oh, oh. De tout mon cœur, voici ce que nous disons, voici ce que nous déclarons, voici ce que nous chantons. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, tout ce que je suis veut déclarer. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mes forces, oh, y'a rebossé, oh, dressé, à chalé, à saïa, yéré, à saïa, néré, oh, dressé, à naïné, ma chanéré, à saïa, néré, dressé, kété, à yandoré, saïa, néké, yéré, kété, néré. Nous élevons la voix pour dire Ayenere se, Rosayanere, Mayandoro, Aralaya sare, Yosere se, Mandere, Asayanere, Yeseneke, au Père, Abba Père. Oh Dieu, notre Père, oh Chalere Mosé, laissons parler nos cœurs, déclarons-lui que nous l'aimons de tout notre être, Ayachané, Chalere Mosaya, de toute mon âme.
alors s'élève un chant. Aïe, 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 que tout puissant. Ah, Seigneur, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu tout puissant, ah, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève, s'élève ce chant d'amour. Dieu tout puissant, Dieu, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, toutes nos vies veulent dire, esprit, âme et corps, nous sommes en train de dire Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand, tu es grand, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu tout puissant, que tu es grand. Dieu, 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 Dieu tout puissant. Que tu es, ah, disons-lui que tu es grand, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es bon, tu es bon, Dieu tout puissant, ah, que tu es bon, tu es bon, Dieu tout puissant. Est-ce que nous sommes en train de chanter sa bonté? Tu es fidèle, disons-le ensemble encore. Dieu tout-puissant, que tu es fidèle. Oh, oh, oh. Dieu tout-puissant, que tu es fidèle. Alors, 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 de tout mon être, alors s'élève. Élève ce chant, Seigneur. Ah, nous sommes en train de chanter tes louanges. Nous sommes en train de te dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Oh, 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 Dieu tout-puissant, que tu es bon, Dieu, 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 Dieu tout. Que tu es bon. Oh, oh, oh. Aïe, 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 chalé les bossaïas. Que tu es grand. Oh, 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 oh. Dieu tout puissant. Oh, 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 oh. Nos cœurs sont remplis d'amour pour toi et veulent déborder d'amour pour toi. C'est pourquoi nous disons. Nos cœurs débordent d'amour. Et veulent
paradis. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il y a d'abord un pas de notre part. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est ce que nous voulons lorsque nous disons. Oh Dieu tout-puissant, que tu es grand, 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 tu es grand. Tu es grand, tu es grand, oh tu es grand, ah tu es grand, 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 oh tu es grand, ah tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es bon. Tu es bon, ah tu es bon, disons, tu es bon, ah tu es bon, tu es bon, ah tu es bon, ah tu es bon, oh tu es bon, élevons les voix, élevons la voix, élevons nos voix, élevons nos voix, ah disons lui, oh chéré basaya lele, achalele bosse yadaba. En langue intelligible ou en langue en esprit, à disons-lui rebossayane, rebossayane, ayachene rebo, ayasane re, ayachayana rabayo, se rebo yere, ayana raye. Salere, Ashayana, Yadaba, Satan, Yadaba, Seadere, Rosata, Deba, Shadere, Rebascata, Yade, Rosoto, Remayana, ah, tu es grand, tu es grand, ah, tu es bon, tu es bon, ah, tu es merveilleux, oh, tu es glorieux, oh, magnifique, magnifique, oh, excellent Dieu, oh, Dieu d'amour, oh, Dieu de bonté, oh, Shanaya daba, shere daba shadere, manere. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Yaraba shadere, que ta gloire resplendisse sur nous. Aïe, en ce moment, environne-nous de ta présence, environne-nous de ta gloire. Manifeste, oh Shadé, à ton amour encore au milieu de nous. Et shere bosaya, en nous, à l'intérieur de nous. Rempli, rempli, rempli nos cœurs d'amour. Haché, soleboye, hachanaye, chaya de rebo. Tu es bon, nous te disons merci. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire merci au Seigneur? Merci à notre Papa. Merci à toi, notre Dieu. Merci à toi, notre Père. Merci à toi, notre Seigneur. Merci à toi, notre Sauveur. Merci à toi, notre Libérateur. Merci à toi, notre Consolateur. Merci à toi, notre Enseignant. Merci, 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 merci. Merci à toi, notre Conducteur. Arébosé. Chérébosa. Ah, nous allons lui dire merci, bien-aimé. Il y a tellement de sujets. Tellement de sujets pour lesquels nous devons lui dire merci. Nous ne pouvons pas compter, tellement ses bontés sont nombreuses,
incalculable et incommensurable. On ne peut pas les compter, on ne peut pas les dénombrer. Elles sont nombreuses à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, bien-aimés, nous avons tellement de sujets d'action de grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci Seigneur. Personne ne se tait dans cette atmosphère. C'est le moment de te remercier. C'est le moment de prendre le temps de te remercier pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Achadé les Bosaya. Merci, merci, merci. Chéré les Bosaya la Lamassa. Oh bien-aimé, nous allons rendre d'excellentes et de multiples actions de grâce. Oh, des actions de grâce. Pourquoi? Parce que Dieu est le bâtisseur de nos vies. Il est le bâtisseur de nos vies. Et c'est grâce à lui que nous tenons ferme, que nous tenons debout, quelles que soient les circonstances. Nous voulons lui dire merci parce qu'il est le bâtisseur de nos vies. Il est le divin architecte. Oh, il est le maître d'œuvre. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il bâtit nos vies. Et parce qu'il bâtit nos vies, nous tenons ferme. Nous sommes debout, quelles que soient les circonstances. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Dans le proverbe 12. Dans le proverbe 12, au verset 8. On renverse les méchants et ils ne sont plus là. Tandis que la maison des justes reste debout. Il dit, tandis que la maison des justes reste debout. Est-ce qu'il y a des justes connectés? Est-ce qu'il y a des justes connectés à Saint-Esprit FM? À cette fréquence où le Saint-Esprit nous remplit, où le Saint-Esprit nous conduit, où le Saint-Esprit nous fait du bien et nous montre la voie à suivre. Ah, nous voulons te dire merci Seigneur, parce que, oh, en te rendant ces actions de grâce, nous reconnaissons que tu es celui qui nous fait tenir debout, quelles que soient les circonstances. Oh, c'était rebossé. Parfois, il y a des situations qui sont tellement difficiles et nos âmes ont envie de dire ce n'est pas le moment d'adorer, ce n'est pas le moment de remercier, mais aussi au contraire, nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier, nous voulons aussi te remercier, nous voulons te glorifier. Tu dis dans ta parole, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je vais voir le salut. C'est ce que tu dis, Seigneur. Tu dis que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, ça veut dire des remerciements, me glorifie. Oh Seigneur, oh dans certaines circonstances, oui, c'est un sacrifice de louange. Oui, c'est un sacrifice. Tu as dit celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements, me glorifie. Oui, celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Quel salut? Ça veut dire le secours. Je ferai voir le secours, l'assistance. Oh, l'évacuation divine. Je viendrai rentrer dans sa situation. Voilà comment nous sommes en train de te glorifier. Oh, ce matin, nous sommes en train de te glorifier. Oh, par les sacrifices de louange. Pour quelqu'un, c'est un sacrifice ce matin. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu un être cher. Il y a peut-être quelqu'un pour qui ça ne va pas dans la vie de couple. Oh, il y a peut-être quelqu'un dont un enfant est en train de se détourner de la voie où les choses ne sont pas allées. Il y a peut-être une autre situation, quelle qu'elle soit, mais une situation de tourment, une situation de trouble. Mais non, Seigneur, nous ne nous laissons arrêter pas à ces choses. Nous ne les considérons pas. Nous considérons notre Seigneur. Nous levons les yeux vers lui, vers cette montagne où nous vient le secours. Et nous sommes en train de dire simplement merci et de glorifier au travers de ces sacrifices. Sacrifice, sacrifice. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Merci pour ton salut qui est venu vers nous. Merci pour la restauration divine. Merci pour le secours divin. Merci pour l'assistance divine. L'assistance du Saint-Esprit. Oh. Chéri.
alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Laisse-nous te glorifier et dire de tout mon être, alors s'élève un chant, c'est un chant d'amour. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, tu es bon, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, que tu Seigneur, merci. Nous allons rendre grâce encore, bien-aimés. Nous allons continuer dans les actions de grâce. Nous allons continuer dans les actions de grâce encore. La parole est venue nous édifier. Elle vient semaine après semaine. Elle vient nous édifier. Et nous allons rendre grâce maintenant. Que ce que, au travers de nos temps de prière, au travers de nos prières, le Seigneur nous remplit de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh oui, bien-aimés, nous allons rendre grâce parce qu'au travers des prières, le Seigneur le fait. Il nous remplit de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Car, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est ainsi que nous serons rendus capables de lui être agréable, de marcher d'une manière digne, de lui être agréable, de persévérer dans la joie et dans la patience. Il dit dans sa parole en Colossiens 1, au verset 9 à 11, et nous l'avons vu, dans le message du dimanche, nous avons vu qu'il est écrit, c'est pour cela. Nous allons commencer par là. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes et de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Oh oui, bien-aimés, rendons grâce à Dieu de ce que c'est au travers des prières. Il dit, je prie, nous n'avons cessé de prier pour demander à Dieu afin que vous soyez, que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence divine. Et c'est ainsi que nous allons marcher d'une manière digne, lui être agréable, fortifié et persévérant avec joie. Oh, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur de sorte qu'au travers des temps de prière, au travers de la prière, le Seigneur fait des choses. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce qu'au travers de la prière, au travers de nos voix qui s'élèvent, au travers de notre intercession, au travers de nos supplications, nous te rendons grâce de ce que tu rends cela possible. Oh, tu nous remplis de la connaissance, de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, Chélébo, Sayanélé, oh, merci, mon Père. Ah. Oh, Sayanélé.
oui, bien-aimé, bien-aimé. Rendons grâce au Père pour cela. Et maintenant, prions, bien-aimé, nous allons prier, prions pour que nous soyons tous. Il s'agit d'un peuple, il s'agit d'un corps. Que nous soyons tous remplis de cette connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous allons prier maintenant pour que ce remplissage se fasse. Bien-aimés, laissons-nous maintenant remplir sur cette mélodie. Laissons-nous remplir en chantant, en élevant la voix, en chantant des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Oh, chantons afin d'être remplis selon qu'il est écrit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Rempli de l'esprit, rempli de l'esprit, rempli de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de chanter les louanges du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se laisser remplir? C'est le remplissage, aïe, 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 aïe. C'est le remplissage à la Masaya Dele. C'est le remplissage à Yashana Demone. C'est le remplissage Yelebosaya Dele. C'est le remplissage. C'est le moment du remplissage. C'est le moment du remplissage. Laissons-nous remplir. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de nous lever la voix? Oh, chantons des cantiques spirituels. Chantons des chants nouveaux. Chantons au Seigneur notre Dieu. Pendant que nous chantons, pendant que nous élevons la voix, pendant que nous sommes connectés. Oh, oh, il nous remplit le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Il nous remplit. On est posé. Est-ce que tu es en train de chanter? Et Rassaya Nara, remplis-nous, remplis-nous, Chalene Bosséde, remplis-nous, Chéle Bassayane, remplis-nous, Rassa Katare, remplis-nous, Chéle Debo, remplis-nous, Chayane Deboye, remplis-nous. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous, oh, fais-le, 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 fais-le. Remplis-nous, ah, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Au travers des prières, remplis-nous. Au travers des chants, au travers des cantiques, ah, nous sommes remplis de l'esprit, remplis, saturés, dépendant de l'esprit à débaucher. L'ancêtre, viens débaucher, t'es débauché, débauché, aïe, nous sautoyer, débaucher. Dans ton église, fais-le dans ton église, fais-le dans chacune des vies, fais-le dans ma vie,
Fais-le dans la vie de mon frère et de ma sœur. Fais-le dans nos vies. Fais-le dans ton église. Fais-le dans ton peuple. Fais-le maintenant. C'est le moment de nous remplir. Fais-le maintenant. Oh, fais-le, 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 fais-le. Si tu dis soyez remplis de l'Esprit, ça veut dire c'est possible que nous soyons remplis maintenant. Ah, cette journée, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas lâcher prise. Ce n'est pas possible. Oh, oh Seigneur, merci parce que tu nous remplis. Bien-aimés, dans la volonté de notre Seigneur, dans sa volonté excellente, notre Dieu nous a fait don, dit-il, d'un royaume inébranlable. Il le dit dans sa parole, il le dit dans Hébreux 12 au verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Bien-aimé, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Bien-aimé, ça veut simplement dire que si nous avons reçu un royaume inébranlable, alors nous sommes nous-mêmes, puisque nous sommes dans ce royaume, nous-mêmes, nous sommes rendus inébranlables. Alors, bien-aimés, prions maintenant pour être conscients de cette inébranlabilité, pour être conscients que par la volonté de notre Seigneur, nous avons reçu un royaume inébranlable. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. La prophétie est certaine. Elle a été envoyée. Oh, bien-aimé, nous allons prier pour cette prise de conscience. Parce que si nous ne sommes pas conscients, si nous ne sommes pas conscients, les choses ne peuvent pas se passer. Mais remplis de la conscience de cette volonté, nous sommes conscients que nous avons reçu un royaume inébranlable. Le Saint-Esprit est inébranlable à l'intérieur de nous. Nous sommes inébranlables. Bien-aimés, nous sommes rendus inébranlables. Voici un jour d'action de grâce. Mais prions maintenant pour demander que l'Église soit consciente de ce don excellent du royaume inébranlable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut honorer le Saint-Esprit, celui qui nous rend inébranlable, celui qui nous rend plus que vainqueur, celui qui nous rend fort dans les tempêtes, celui qui nous rend fort dans les secousses, inébranlable, instoppable. On ne peut pas nous intimider. Nous sommes ce peuple. Est-ce que nous sommes en train de prier pour la prise de conscience? Seigneur, rends-nous conscients de ce que nous avons reçu. Nous avons reçu un royaume inébranlable et que nous sommes dans ce royaume et que le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Il est avec nous, il est sur nous. Il est inébranlable. Inébranlable, nous sommes inébranlables. Inébranlable, personne ne va lâcher prise. Inébranlable, inébranlable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit inébranlable? Ah, nous sommes son peuple. Inébranlable, par le royaume, le Saint-Esprit. Inébranlable, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est inébranlable? Est-ce que tu es en train de déclarer? C'est une prise de conscience. Oh, chérémosé qui était inébranlable, chérémosé qui était inébranlable. Oh, bien-aimé, n'oublions pas, chérémosé qui inébranlable. N'oublions pas que son serviteur, lorsqu'il a envoyé cette parole, poussé par l'Esprit, il nous a fait comprendre que courir sans persévérer jusqu'à la fin est vain. En d'autres termes, ça ne sert à rien de commencer. Ça ne sert à rien de se fortifier pour à un moment donné abandonner. Parce que courir sans
est jusqu'à la fin est vain. Nous avons compris et qu'il fallait donc cultiver, bien-aimé, la persévérance, parce qu'il y a tellement de promesses, tellement les enjeux sont majeurs, les enjeux sont hautement considérables. Oh, nous devons être inébranlables jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'enlèvement de l'épouse, jusqu'aux noces de l'agneau. Il y a les noces de l'agneau, il y a le millénium, il y a toutes ces choses merveilleuses, excellentes que nous ne voulons pas manquer. Alors nous sommes rendus inébranlables, nous ne lâchons pas plus inébranlables. Est-ce que tu es en train de dire inébranlable, je l'ai dévoué, ça y a néné, inébranlable, aïe 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 chané. Bien-aimé, remercions le Seigneur de cette prise de conscience et de ce qui nous a rendu inébranlables. Bien-aimé, comme son serviteur l'a dit, il a dit qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a des personnes qui ne sont pas disposées à persévérer. Mais bien-aimé, dans cette famille spirituelle, et alors que nous prions, pas seulement pour un pacte chrétien, mais pour le corps de Christ, nous allons prier de ce que nous ne soyons, qu'il n'y ait pas parmi nous des personnes qui sont de ces personnes-là qui, par leurs paroles, se trahissent, se condamnent. Nous allons prier pour ne pas être trouvés parmi ces personnes. Nous allons prier pour que notre langage ne nous trompe pas, ne nous disqualifie pas. Notre langage, non, nous allons prier. Nous allons vraiment prier le Seigneur, bien-aimé. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il le dit en Matthieu 12, au verset 34. Mais il dit au verset 37 une chose. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé, nous allons prier que aucun d'entre nous, aucun de la famille ne soit condamné par ces paroles-là. Que nos paroles ne nous trahissent pas. Que nous ayons des paroles de conquérants, des paroles de personnes justifiées, des paroles de personnes sauvées par la grâce. Oh, des personnes dont les paroles montrent la foi. Parce qu'il a dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et Seigneur, que nos paroles, nous allons prier bien-aimés, que nos paroles ne nous trahissent pas. Que nos paroles ne nous trahissent pas. C'est bien de dire amen à la prédication, mais il faut que de notre cœur sortent des paroles qui sont alignées sur la prédication. Bien-aimé, est-ce que tu es d'accord avec ça? Nous allons prier pour qu'au milieu de nous ne se trouve personne qui se disqualifie par ces paroles-là. Il dit dans sa parole, il dit en Deutéronome 30, verset 19. Bien-aimé, lisons ce passage. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé, ça ne s'arrête pas à nous. Il ne s'agit pas de nous, de notre petit monde. Il s'agit de générations. C'est une question de génération. Alors élevons la voix, bien-aimés, élevons la voix. Supplions le Seigneur au milieu de son peuple, dans son peuple, que toi et moi, que nos frères et nos sœurs, que personne ne choisisse la mort. Personne ne parle mal. Oh, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Non, nous choisissons la vie. Nous choisissons de finir, d'achever la course avec foi, avec persévérance et avec joie. Oh Seigneur, nous prions afin que tu viennes à notre secours, afin que tu secours toute personne, tout bien-aimé qui est en train de lui-même de se condamner par sa parole. Oh, oh Seigneur, nous t'en supplions par ton esprit. Viens nous fortifier par ton esprit, viens nous enseigner, viens nous convaincre de péché. Oh Seigneur, nous t'en supplions, ne nous laisse pas penser les mauvaises choses, penser contrairement à la parole. Non, les choses contraires à la parole, accorde-nous la grâce
de nous aligner sur la parole. Accorde-nous la grâce. Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de lever la voix pour prier? Nous ne sommes pas en train de prier pour nous spécifiquement, mais pour la famille, pour le corps de Christ, pour les frères et sœurs, pour les bien-aimés. Qu'une personne saisie par l'esprit, prenne conscience, échange, fasse volte-face. Qu'il fasse demi-tour, qu'il change sa pensée, que son cœur soit changé et que les pensées de Dieu, la parole de Dieu, les enseignements du Saint-Esprit sont pour ancrage en nous. Est-ce que tu es en train de supplier? Ah, nous t'en supplions pour nos bien-aimés, pour l'Église. Nous t'en supplions, oh fais-le Abba Père. Nous t'en supplions par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous t'en supplions, fais-le pour toute la famille de Dieu. Nous t'en supplions, fais-le dans chaque église Père. Nous t'en supplions, fais-le dans chaque maison, chaque foyer. Nous t'en supplions, oh, nous t'en supplions. Quelqu'un qui était en train de faiblir, nous t'en supplions. Relève-la par la puissance, le pouvoir de ta parole. Oh, chérébossé, connecte-la à ta parole, au travers du digital. Oh, chérébossé, au travers des exhortations, des conseils, des soutiens, du soutien des frères et sœurs. Passe par chef des frères et sœurs pour aller exhorter une personne afin qu'elle se connecte à la parole qui va la relever, la parole qui va la remettre sur les starting blocks, parce que la course doit continuer, la course ne s'arrête pas là. Non, nous ne lâchons pas prise, non, nous ne jetons pas l'éponge, nous courons vers notre destinée. Nous t'en supplions. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Tu nous as enseigné par la bouche de ton serviteur que la persévérance est une résolution ferme qui doit être appliquée à sa vie, la vie de foi, qui doit être appliquée à notre foi. Nous devons avoir une foi ferme, Seigneur. Persévérer. Rien ne doit pouvoir nous séparer de toi. Rien ne doit pouvoir nous séparer de ton amour. Rien ne doit pouvoir séparer un bien-aimé de toi. Rien. Tu as dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, etc., ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh Seigneur, que rien ne nous sépare en cette saison tellement particulière, une saison favorable, oui, pour les enfants de Dieu. Que personne ne se laisse être séparé de ton amour. Nous sommes en train de te supplier, de te supplier, de te supplier, de te supplier. Oh, chérébossé, au travers des enseignements, merci Seigneur, parce que tu relèves une personne, tu affermis une personne. Oh, nous t'en supplions. Oh, que l'enseignement soit diffusé, que ta parole soit diffusée. Qu'elle parcourt, qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre et qu'elle connecte, qu'elle localise. Plutôt, qu'elle localise la personne, une personne qui doit entendre, parce que ce n'est pas le moment de lâcher prise. Tu as déclaré en cette saison, tu as déclaré, oh Seigneur, des paroles prophétiques que nous voulons saisir et que nous saisissons. Tu nous as parlé d'une évacuation divine. Tu nous as dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Voici une parole que mon frère et ma soeur doivent entendre. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier pour que cette parole localise une personne, localise quelqu'un qui est faible, localise quelqu'un qui avait le cœur voilé, il était voilé, que le voile se déchire, que cette parole localise et qu'il la saisisse. Oh, évacuation divine, il a proclamé
Oh oui, la parole a été proclamée. Tu nous as dit que les années qu'on dévorait la sauterelle, nous serons remplacés. Oh Seigneur, il y a une rétribution. Il y a une rétribution divine qui est en action, qui a été annoncée, qui a été proclamée et qui est sur le point d'arriver. Personne ne doit manquer cela. Personne ne doit manquer la manifestation de tes paroles. Oh, nous t'en supplions, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Tu as déclaré une saison nouvelle. Oh, tu as déclaré une saison nouvelle. Tu as déclaré une saison nouvelle pour l'Église. Une saison nouvelle pour l'Église qui commence la nuit, certes, mais dont la manifestation sera au lever du jour. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Ah, tu as déclaré une saison nouvelle. Elle commence certes le jour, la nuit, pardon. Elle commence certes la nuit, mais le jour arrive. Le jour arrive. Il est en cours de manifestation. Tu nous as fait comprendre que dès que la parole a été envoyée, ça veut dire un jour nouveau a commencé. Un jour nouveau se lève. Et le jour va arriver. Il va arriver. Ça a commencé la nuit. Il t'a plu comme ça. Ta fidélité durera toujours. Ah oui, tu es fidèle. Dès que ta parole a été annoncée, c'est la preuve de ta fidélité. La preuve de ta fidélité, ce n'est pas d'abord la manifestation. C'est le fait que la parole soit envoyée. Ça veut dire, c'est un jour nouveau. C'est une saison nouvelle. Oh, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions. Et nous allons véritablement, oh Seigneur, est-ce qu'on peut remercier déjà, bien-aimé, on peut remercier le Seigneur de ce que la parole prophétique, toutes ces paroles prophétiques annoncent un jour nouveau. C'est une saison nouvelle. Ah, tu es fidèle dès que ta parole est envoyée. Dès qu'elle a été envoyée, ça révèle ta fidélité. Oh Seigneur, merci. Une saison nouvelle pour l'Église a commencé, bien-aimé. Une saison nouvelle pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Une saison nouvelle pour nous. Une saison nouvelle. C'est vrai, il fait nuit, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la fidélité de Dieu qui est en train d'être manifestée au travers de sa parole. Chaque fois que Dieu a voulu faire, il a envoyé d'abord sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Voici pourquoi nous sommes en train de lever les mains pour rendre gloire, pour honorer cette parole, pour honorer cette parole et pour remercier celui-là même qui est la parole vivante, notre Seigneur. Oh, chérémosé, elle durera toujours. Ta fidélité. Bien aimé, ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment. Nous disons, ce n'est pas le moment. On durera toujours. Disons ensemble, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, elle durera toujours. Et ta fidélité, voici le chant que je chante. Durera toujours. Oh oh oh, ta fidélité. J'aurai la bonne attitude. Oh oui, toujours. Oh, ta fidélité. Il fait nuit justement. Oh Seigneur, merci. Parce que la nuit s'achève avec le jour. À la fin de la nuit, c'est le jour. Merci Seigneur, parce que tu as déjà parlé. Merci parce que tu nous donnes la bonne attitude. La bonne attitude pour voir manifester le jour, pour voir se lever le jour. Il y a une bonne attitude, il y a de bonnes habitudes. D'attitude, Seigneur. Voici pourquoi nous disons ta fidélité. Oh,
Oh non, nous n'allons pas nous relâcher, bien-aimé. Là où tu es, déclare. Déclare avec moi, je ne vais pas me relâcher. Parce qu'il est attendu de moi. Il y a une attitude qui est attendue de moi. Au travers de ces enseignements, j'ai compris qu'un jour nouveau se lève. J'ai compris qu'il commence par la nuit. Et j'ai aussi compris que le jour arrive. Je ne sais pas à quelle heure tu es mon père et ma soeur, mais le jour arrive. Il arrive aussi parce que toi et moi, nous allons avoir la bonne attitude. Ne pas nous relâcher, ne pas nous endormir. C'est le moment d'élever des prières, l'adoration, les actions de grâce, les supplications. Oh, c'est le moment de ne pas se relâcher. C'est le moment de ne pas s'endormir. C'est le moment de persévérer dans la foi, dans l'action de grâce, dans les louanges et les services. Nous allons servir notre prochain, nous allons servir nos frères et sœurs. Voici la bonne attitude, ta fidélité est dure à toujours, alors que nous sommes en train d'obéir à ta parole. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de déclarer ces choses, que tu vas obéir à la parole, que nous allons tous obéir par la grâce de Dieu, parce que la parole a déjà été relâchée. Oh oui, sa fidélité est dure à toujours. Oh, oh, oh. Disons-le avec assurance, avec joie, avec persévérance, toujours. Il dit dans sa parole, oh oui, toujours. Il dit en Hébreux 10, verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il dit ce qui vous est promis, c'est le fidèle qui l'a déclaré. Ah, toujours, ah, tu es fidèle, toujours. Ce que tu promets, ah, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche déclare, oh, ta main l'accomplit. Aïe, ah, chérie, toujours, disons, toujours. Toujours, acheléba, l'océléba. Ah, prions, bien-aimés, prions pour le corps de Christ. Prions pour que la fidélité de Dieu soit révélée aux nations. Prions pour les nations. Prions pour que ses paroles se propagent dans les nations. Prions pour que ses paroles se propagent dans toutes les nations. Au travers du digital, il est fidèle. Il a déclaré, il proclame sur son peuple, sur ses enfants, sur son église. Et nos attitudes vont nous permettre de voir le jour se lever. Oh Seigneur, merci pour ces paroles qui parcourent. Elles parcourent les ondes. Elles parcourent et sont accessibles. Elles localisent mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus. Oh bien-aimés, prions. Prions pour que... Parce que ça, c'est la manifestation du règne de Dieu. La parole de Dieu en action. La parole de Dieu manifestée. La parole de Dieu visible. C'est le règne de Dieu, bien-aimés. Élevons la voix pour prier pour que le règne de Dieu vienne dans toutes les nations au travers de sa parole. Que son règne s'établisse, que son règne vienne, que son règne s'établisse, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À cette parole va parcourir, elle va aller dans les nations, afin que ton règne vienne, et que ta volonté, oh, qu'elle soit faite, sur la terre comme au ciel. Oh, nous te remercions, toujours.
ta fidélité durera toujours, ta fidélité elle durera toujours, elle durera toujours, une dernière fois, toujours, elle durera toujours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, remercier le Seigneur? Remercier le Seigneur pour sa parole, sa fidélité. Oh, il est fidèle, c'est pourquoi il envoie sa parole semaine après semaine, dimanche après dimanche. Et nous nous appuyons sur ses paroles, les paroles prophétiques, nous les saisissons et nous verrons sa fidélité. Un jour nouveau, une saison nouvelle, c'est levé sur l'église, c'est levé sur ta vie, c'est levé sur ma vie. Oh oui, nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Et ce jour nouveau, nous te bénissons, Seigneur. Oh, gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons juste, ce dernier sujet, nous allons bénir Dieu pour le programme de prière, corridor, 24 heures de prière non-stop. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu et nous allons nous attendre à notre Seigneur pour qu'au travers de ce programme, il y ait des prodiges, des miracles, des guérisons, que l'on voit les fruits de ce programme inspiré de Dieu, inspiré par l'Esprit, et qu'il soit conduit par l'Esprit, que tous les conducteurs soient remplis de l'Esprit afin d'être conduits, portés, inspirés par l'Esprit. Bien-aimés, élevons la voix pour rendre grâce au corridor et rendre grâce d'avance pour la manifestation des œuvres, ce qui va sortir de ce programme, ce que ce programme va permettre de manifester, d'enfanter dans le peuple de Dieu. Merci Seigneur pour le programme Corridor. Nous croyons véritablement que c'est toi qui l'as inspiré. Et nous prions qu'il y ait des miracles et que par le Saint-Esprit, des dons spirituels soient distribués selon ta volonté, ainsi qu'il est écrit dans ta parole. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ce programme. Nous te remercions pour ce programme. Nous te remercions par avance pour tout ce qui a été fait jusque-là. Et le programme est ce vendredi, de ce jeudi à vendredi. Vendredi 22h, vendredi 22h. Nous te remercions pour ce programme. Béni sois-tu encore notre Seigneur. Nous sommes bénis d'être dans une telle famille et de baigner dans une telle atmosphère de ta présence. Que la gloire te soit rendue. Et bien aimé, là où nous sommes, nous allons le remercier pour ce temps de prière et nous pouvons encore acclamer le Seigneur, lui être reconnaissant. Nous débutons notre journée avec la certitude que le jour s'est levé, la nouvelle saison, il y a une nouvelle saison, et que le jour va se lever dans nos vies. Et nous le remercions. Oh, merci Seigneur encore. Béni sois-tu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père et que la magnifique communion du Saint-Esprit soient dès à présent et à jamais notre partage. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Excellente journée dans la présence de notre Seigneur, dans la joie du Seigneur, dans la persévérance, dans la foi de Dieu. Et nous serons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.